Évitez de critiquer le corps de votre conjoint. Et si vous connaissez très bien votre conjoint ou conjointe et qu'il subit un complexe par rapport à un membre de son corps, il faut surtout pas en parler avec un sentiment d'insulte. Surtout pas. Ne parlez pas à votre conjoint sur son corps comme en méprisant. Si vous voulez un changement, d'abord je commence par dire, ne cherchez pas un changement physique chez l'autre si lui-même n'est pas convaincu de ce changement. Si tu forces le changement physique chez l'autre, Il y a peut-être un problème chez toi. Peut-être que ce que toi tu veux, ce n'est pas que la personne change physiquement, mais tu es à la recherche d'un modèle que tu n'arrives pas à avoir. Lisons Job 31:1. Serge, s'il vous plaît, lisez ça. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Répétez. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Amen. Job dit, je ne veux pas arrêter mon regard sur une vierge. Pourquoi? Parce que j'ai pactisé avec mes yeux. J'ai dit à mes yeux, tu ne fais pas regarder ça. Maintenant, quand on évolue, on va dans la pensée de Job. Vous allez donc comprendre que si Job a pactisé avec ses yeux, c'est parce que Job avait une attirance envers la Vierge. Si tu baptises avec tes yeux pour ne pas regarder ce que tu désires, tu vas créer moins de problèmes dans ton couple. Je parle maintenant très bien aux mariés et même aux célibataires. Lorsqu'on se marie, le corps de la femme ou le corps de son mari n'est pas forcément ce qu'on voulait. Votre femme n'est pas la composition de tout ce que vous voulez. Des fois tu vas aimer son corps, mais ses cheveux c'est comme un dragon. Je te dis, des fois quand il t'attrape comme ça, tu dis oui, ça va pas. Des fois, tu aimes ses yeux, mais ce n'est pas trop ce que tu voulais par rapport à ses épaules. Alors fais attention. Vouloir que ta femme ou ton mari se transforme physiquement ne doit pas être parce que tu désires quelque chose que tu n'arrives pas à atteindre. Voilà pourquoi n'amène pas le diable dans ce qui t'attire. Tout homme, toute femme ici, célibataire ou pas, il y a un type d'homme qui vous attire. Il y a un type de femme qui vous attire. Il ne faut pas faire semblant. C'est comme ça. Ne regarde pas ta femme pendant ces moments-ci. Vous aurez des problèmes à la maison. Tout homme a un type de femme qui l'attire. Tout homme, toute femme a un type d'homme qui l'attire. C'est comme ça que tu verras une femme, elle est là, un homme passe ici là. Bon, elle est là, c'est comme si elle n'a rien vu. Mais quand un autre va passer, tu passes comme ça, non Serge? Tout de suite, directement, un petit regard. Moi, deuxième regard, je vois Camille. Pourquoi? C'est ce qui l'attire. Et célibataire, arrêtez de vous leurrer. C'est pas que quand on va se marier que ça s'arrête. Même quand on va se marier, il pourrait arriver que ce qui t'attire n'est pas ce que tu as dans la maison. Donc tu sais que ce qui t'attire est dehors. Quand tu sais que ce qui t'attire est dehors, pactise avec tes yeux.
Fais des accords avec tes yeux. Décide de ne pas regarder. Parce que quand tu vas regarder, tout ce que tu aimes, tu vas voir ça. Tu seras là en train de regarder comme ça et bêter comme ça. On te pose la question. Henri. Hein? Henri. Henri. Hein? Henri. Henri. Oh! Tu te fâches. Oh, Silica. Mais on t'a appelé parce que tu es là comme ça en train de regarder la femme. Je connais un monsieur qui avait dit. On lui a dit, mais pourquoi tu regardes la femme d'autrui? Il dit, oh, quelle femme d'autrui? Elle est célibataire. Tu as compris la réflexion, non? Un papa tellement dépassé, j'évite de dire certains mots. Donc, il n'a pas compris que même si elle est célibataire, elle a son mari quelque part. Elle a son mari quelque part. Pactise avec tes yeux. Je peux parler pour clôturer? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Alors écoute. Il faut se connaître. Un philosophe intelligent a dit, connais-toi. C'était. Voilà. Même si tu as raté, ça tu n'as pas raté. Il a dit, connais-toi toi-même. Et c'est vrai, mon frère. Il faut se connaître. Quand tu es un homme ou une femme, même si tu es marié célibataire, tu dois savoir quel type d'homme de femme tu es. Les hommes sensuels, c'est ça? Allez-y, on va essayer. Il faut essayer, non, frère? Les hommes sensuels, ils sont différents des hommes moins sensuels. Parce qu'il y a des catégories. Il y a hommes sensuels, hommes moyennement sensuels. Il y a d'autres froids. Le désert du Sahara. Oh Jésus. Célibataire, que Dieu vous épargne. Bon, je n'ai pas dit que tu ne dois pas te marier si tu es dans cette catégorie, mais mon frère. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, Serge. Donc il y a les trois catégories. Même avec les femmes, c'est la même chose. Il y a des femmes hyper sensuelles, moyennement. Si elle est mariée, elle peut même faire 2 semaines sans toucher son mari. Et il y a aussi celle qui est froide. Elle, si tu la touches pas, elle te touche pas, elle te cherche pas. C'est pas qu'elle a un problème, elle est comme ça. Physiologiquement parlant, elle est comme ça. J'avais posé la question si je pouvais parler. J'avais demandé si je pouvais parler. Attachez la ceinture. Et donc avec les trois catégories, avant d'évoluer, j'aimerais donner un conseil gratuit entre nous Africains. Et je vais encore au-delà, entre nous Congolais. Parce que les autres Africains, je ne maîtrise pas. Il faut éviter de dire des choses sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Chez nous Congolais, ce sont des choses que on ne nous a pas forcément appris dans les familles avant de nous marier. Et des fois même quand on te dit, toi dans ta famille, monsieur, marie-toi, on ne te fait pas comprendre qu'il y a ces trois vérités. Et une autre vérité qu'il y a chez nous au Congo, il y a des généralités. Si quelqu'un me dit généralité, c'est-à-dire il y a des généralités qui concernent vraiment certaines tribus. Il y a des cas rares, il y a des exceptions. Mais en général, parce que l'enseignement se repose sur les généralités. Dans les trois catégories, chez nous au Congo, il y a des tribus qui sont ici. Mademoiselle, si tu es ici, fais attention à là-bas. La guerre. Il va commencer à te poursuivre dans la maison. Toi, tu es en train de courir. On ne sait pas. Vous courez quoi? Il te poursuit. Mais il y a aussi ceci que moi j'ai vu.
que j'ai vu ici dans les mariages, certains mariages ici au Congo. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que quand j'y pense maintenant, j'ai plus vu ce cas que le contraire. Le cas dont je veux parler ici, la femme, elle est là-bas, mais elle a épousé un homme gentil, choriste. Il est au milieu. Donc lui, il touche la femme une fois par mois. Qui t'a dit de citer? Pourquoi tu cites? Pourquoi tu cites? On va me porter plainte, frère. Ça veut dire, elle est dans, vous voyez, ce sont des choses. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je disais que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je dis que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse l'apôtre Timothée. Parce qu'il a bien voulu que des programmes comme ceci existent. Mon frère, les femmes en souffrent. Mais tu vois, à l'église, on lui a seulement dit, va trouver un beau frère qui prie. Il a du travail. Mais on ne lui a pas dit que toi, comme tu es de là, maman, toi, tu parles un peu de chi, chi, chi. Limitons-nous là. Tu vois, comme toi, tu parles beaucoup de chichi là. Tu ne dois pas traverser pour aller prendre n'importe qui, il faut savoir. Tu risques de tomber sur celui qui est ici au milieu. Parce que qu'on se le dise, au Congo, il y a des tribus qui sont moins sexuelles que les autres. Vrai ou faux? Alors pourquoi tu me regardes comme si tu ne comprends pas? Tu n'inventes rien. Hein? Il y a des tribus qui sont très sexuelles au Congo. Frère, tu vas créer des... Je te dis, hein, je vais... Suivons-nous. Ces familles glorieuses, on se calme. On se calme. Non, écoutez. À moins que tu sois quelqu'un qui ait grandi seulement en grandissant. Tu as grandi en t'en foutant des réalités sociales de ton pays. Mais si tu étudies ton pays et les tribus, ce sont des vérités. Et j'ai compris aussi... En servant dans la pastorale, j'ai compris que ce sont des vraies barrières quand la personne n'a pas l'information. Tu verras un homme dire, ma femme n'aime pas ça, maman prie pour elle. Ce n'est pas une affaire d'aimer ou ne pas aimer. Elle est dans une catégorie des femmes qui n'aiment pas ça beaucoup. Dans notre pays, si tu mélanges un louba avec quelqu'un de l'Équateur, que Jésus soit béni. Que Jésus soit béni. Je m'arrête seulement là. Je n'avais pas de problème ici. Je n'avais pas de problème ici. Oh, madame nous avait stigmatisé. Non. Moi, je suis en train de parler des réalités physiologiques. Au fait, même quand on dit dans les tribus, c'est parce que c'est génétique. C'est génétique. C'est comme ça que dans certaines tribus, ils sont froids. Tu vois même les bisous, il est fait à distance. Ah. Frère, je vais le faire descendre. Je vais le faire descendre. Si il ose encore, il descend. Tu vas descendre, mon frère. On va nous suspendre ici bientôt. Hein? Mon frère, c'est génétique. Une fois, j'ai parlé à une sœur. C'est d'ailleurs cette année. Je veux conclure par là, on doit prier. J'ai dit à cette sœur, elle était fiancée cette année. Je lui ai dit, dans mon bureau à ma campagne, tu vois, ce garçon, il est parfait. Pratiquement. C'est un bon garçon. C'est mon fils. Je le connais. Donc, il a ses failles, mais vraiment pour Marie,
il sera un homme bien. Mais toi, il y aura un seul problème. C'est que de ce côté-là, je ne sais pas comment tu navigues. Mais à cause de ton génétique, je crois qu'il y aura des problèmes dans l'intimité. Il ne faut pas minimiser ça. Oh maman, Benoît. Vous voyez quand les femmes sont amoureuses, non? Tout devient oui et amen. La femme amoureuse, c'est comme ça. Maman, je crois qu'on va s'accorder. Brièvement. Moi, j'étais quelque part, à des kilomètres d'ici. Je reçois des messages. Rafale, rafale, rafale. Je dis, bon, je vais suivre ça après. Je me concentre. J'avais un travail à faire à 21h, 22h par là. Et c'était en hiver là-bas. Donc, je n'avais vraiment pas la tête à regarder le faune et tout ça. Quand je reviens, minuit passé, je suis fatigué, je suis épuisé. Je me débarbouille et je saute sur mon lit avec mon café. Après, j'entends encore les téléphones. J'ai dit, bon, peut-être c'est un problème avec les enfants. Je vais voir. Je regarde. Oh! Maman, si je t'ai dit, c'est pour que tu saches. Comme ça, les jours où quelque chose va arriver, tu sauras. Exact. Oh! Et c'est l'homme qui parle. Des plaintes et des plaintes. Vers une seule chose. Le corps. J'ai pris mon téléphone. Seul dans la chambre. Je l'ai levé au Seigneur. J'ai dit. J'avais dit. Mais vous les jeunes, vous ne savez pas que ça aussi de l'impact. Les génétiques comptent. On ne dit pas qu'il faut seulement se marier dans un seul sens, mais on dit vaut mieux que je sache où j'ai mis les pieds au lieu que je ne sache pas là où j'ai mis. Si tu acceptes, accepte, mais tu dois savoir. Que l'Éternel vous bénisse. Que Jésus bénisse sa parole.